engager son âme dans l'univers de la foi. La Bible appelle Abraham le père de la foi. Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, 1, 2, 3, quitte ton pays, ta partie de la maison de ton père. Vas-y dans le pays que je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Donc cette promesse est faite à Abraham. C'est Dieu qui parle à Abraham, qui dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Cependant, on observe que Abraham, 10 ans plus tard, n'a pas d'enfant. Abraham est vraiment désespéré. Et c'est ainsi qu'il va aller vers Agar, qui est juste la servante de sa maison, selon la coutume de son pays, et va faire un enfant avec elle. Mais 24 ans plus tard, Dieu réapparaît encore à Abraham et lui dit, Abraham, sois calme, ta femme Sarah, elle, c'est d'elle que tu auras un descendant. Et 25 ans plus tard, est né Isaac. 25 ans d'attente, mais la fidélité de Dieu a été démontrée clairement dans la vie d'Abraham. Dieu a attendu qu'Abraham atteigne justement le cap où toute possibilité humaine était arrivée à son terme. Il y a eu ménopause du côté d'Agar, il y a eu affaiblissement de ses capacités en tant que de côté de Sarah, il y a eu incapacité justement au niveau d'Abraham lui-même en tant qu'homme. Donc quand ils étaient dans le désespoir le plus total, alors Dieu s'est révélé comme le Dieu le plus fidèle. Et c'est là justement qu'Abraham a eu la naissance d'Isaac. D'accord? C'est très important. Donc Abraham a été vraiment éprouvé dans son âme. Parce que vous allez vous rendre compte que quand Abraham va recevoir cette parole, à un moment il dit à Dieu, mais attends, toi tu me dis que moi, j'aurai un enfant. Moi, comment est-ce possible? Et venez, vous allez comprendre comment ça se passe. Moi, comment est-ce possible que moi, Abraham, j'aurai un enfant? Comprenez bien ceci. L'être humain que nous sommes, l'être humain est un être à 3 dimensions. La dimension première de l'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est l'esprit. Cependant, quand l'homme a péché, cette dimension de l'homme a été totalement morte. Donc, la mort était justement l'esprit de l'homme n'était plus en communion avec Dieu. Donc, c'est la mort spirituelle. Cependant, il continuait de vivre physiquement. Donc, dans toute l'ancienne alliance, tous les hommes que vous voyez n'avaient pas l'esprit régénéré. Donc, la partie de leur être qui était en pleine activité était l'âme. Parce que l'esprit n'était pas régénéré. L'âme continuait d'être active. L'âme sur le siège, la pensée, des émotions, des sentiments, des décisions, c'est dans l'âme. Quand quelqu'un dit « j'aime Dieu », c'est avec son âme qu'il aime. Quand quelqu'un décide de donner à Dieu, c'est son âme qui décide. Quand quelqu'un choisit de faire quelque chose dans la vie, c'est son âme. Voyez-vous? Donc c'est très important. Et c'est pourquoi l'âme est appelée le réel nous-mêmes. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, selon sa ressemblance. Il a formé l'homme, il a donné à l'homme un corps. Le corps est donc l'instrument par lequel s'exprime l'homme de façon légitime sur terre. Donc un homme sans corps ne peut pas habiter la terre parce que la terre appartient aux êtres physiques. C'est pourquoi aucun être spirituel ne peut remporter, spirituel, c'est-à-dire un esprit, aucun esprit ne peut remporter un combat contre un homme conscient. Parce que l'esprit est illégitime dans la sphère physique. Et à partir de ce moment, même si c'est un ange, il ne sera pas victorieux de toi sur terre. Dans le corps est donc ce qui nous rend légitimes sur terre. C'est pourquoi vous voyez, la Bible dit que Jacob est sorti victorieux contre l'ange. Et au lever du jour, l'ange a dit, s'il te plaît, laisse-moi partir. Pourquoi? Parce qu'on pouvait constater son illégitimité sur la terre. Le jour s'est élevé. Donc là, on a ici l'âme. D'accord? L'homme devient une âme. Il devient une âme. À partir du moment où il devient une âme, la partie la plus importante de l'homme, c'est l'âme. Pourquoi? Parce que ton esprit ne va jamais mourir. Ton esprit va repartir à Dieu. Que ce soit le païen, d'accord, le païen d'ailleurs, il n'a pas l'esprit régénéré, mais tout croyant qui meurt redonne son esprit à Dieu. Étienne dit, quand on le lapide, Père, je te remets mon esprit. Il remet son esprit. Mais son âme, c'est la partie de lui qui va aller en jugement. C'est-à-dire, les courants de la vie, ce sont notre âme qui nous permet d'obtenir. D'accord? C'est très important, c'est l'âme qui est jugée. Maintenant, notre corps est la partie d'emprunt que la terre nous a donnée pour qu'on aide à l'embellir. Et la terre va reprendre notre corps. D'accord? C'est très important. C'est l'extrêmement par lequel s'exprime notre âme. Maintenant, notre âme. Donc maintenant, quand Abraham pose des questions à Dieu, c'est son âme qui s'interroge. Donc il est important pour nous en tant que croyants de le comprendre. D'accord? Maintenant, il y a un autre cas. C'est celui de Marie. Je vais lire l'histoire de Marie. Regardez. Luc 1, verset 30 à 38. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu.
Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Oh, Dieu est juste spécial. Comment est-ce possible que tu dises à une femme vierge qu'elle deviendra enceinte et qu'elle va accoucher alors qu'elle ne connaît pas d'homme? Quand Dieu te parle, il ne tient pas compte de tes réalités naturelles. Et la Bible dit, il sera grand devant, grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il y régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Allons-y ensemble encore. Car rien n'est impossible. Une dernière fois, car rien n'est impossible. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Voyez-vous, là on dit à Marie, une grâce a été faite. Quand vous voyez, Marie est une jeune dame qui est fiancée à un homme de la maison de David, appelé Joseph. L'ange vient dans la maison. Vous voyez, Marie, une grâce a été faite. Tu seras enceinte. Marie dit, hey, oui, d'accord, ok, c'est très bien. Une grâce m'est faite, je serai enceinte. Elle pose la question, mais comment est-ce possible que moi, qui n'ai pas d'homme, je puisse être enceinte? Maintenant, quand on parle de grâce, c'est quoi donc tout est grâce? Parce que, voyez, vous entendez beaucoup de personnes dans la maison de Dieu dire tout est grâce. Qui a déjà entendu cette expression-là? Tout est grâce. C'est quoi tout est grâce? C'est quoi ça, tout est grâce? Quand on dit tout est grâce, qu'est-ce que ça veut dire? La grâce veut dire une faveur imméritée. Ça veut dire, quand on dit tout est grâce, c'est que les choses qui t'arrivent sont les choses que tu n'as pas méritées. Donc, un croyant qui ne vit que des choses qu'il mérite est un croyant qui est déçu de la grâce. Que Dieu te donne de jouir des choses que tu ne méritais pas au nom suprême de Jésus. Ton amen, m'embête, donne-moi un meilleur amen. Voyez-vous, dans la grâce est dans une faveur imméritée. La grâce est aussi une capacité. C'est-à-dire quand la grâce arrive, la grâce te rend à même de faire des choses que tu ne pouvais pas faire par toi-même. C'est pourquoi Marie dit, on dit à Marie, une grâce a été faite. Comment est-ce possible qu'une femme qui n'a jamais connu d'homme puisse tomber enceinte et avoir un enfant? C'est à cause de la grâce. C'est à cause de la grâce. Vous devez donc comprendre que quand je te parle, il ne te parle pas selon ton habileté personnelle. Il te parle en fonction de la capacité qui est en lui. Il te parle en fonction de la mission qu'il t'a assignée. Et la parole qu'il t'adresse, quand elle vient à toi, elle est chargée d'une habileté qui va infuser ton être et te rendre capable de faire ce que Dieu te demande de faire. C'est ce qu'on appelle la grâce. Quelqu'un dise encore la grâce. Quelqu'un dise encore la grâce. Quelqu'un dise encore la grâce. Ça veut dire que quand la grâce descend en toi, la grâce peut t'amener à être quelqu'un qui travaille plus que tu ne travaillais avant. L'apôtre Paul dit, par la grâce qui m'a été faite, j'ai travaillé plus que tous. Donc la grâce n'est pas quelque chose qui valide notre paresse et notre inactivité. Non. Mais elle est souvent une capacité qui nous met en action. D'accord? Donc c'est très important. Cette grâce, une capacité. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment. Voyez-vous? Cette puissance agit en nous infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, cette grâce nous rend donc capables de choses remarquables. Il y a une grâce qui est en toi. Et donc il est important que le croyant prenne conscience de la grâce qui est en lui, la grâce de Dieu. Cependant, quand Dieu te fait grâce, ton âme doit être habituée à l'univers de la foi et permettre l'accessibilité de la grâce. Parce que ton âme peut s'opposer à la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il faut engager ton âme justement dans l'univers de la foi afin qu'aucune promesse de Dieu rattachée à ta personne ne t'échappe. Romains 5, verset 2. Il est écrit, à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce, nous avons eu par la foi accès à cette grâce. Voyez-vous? Donc on a accès à la grâce par la foi. Amen. On a accès à la grâce par la foi.
Donc la foi est ce qui te permet d'accéder à la grâce. Donc quel que soit, justement, la grâce que Dieu te fait, on a besoin de foi. Donc s'il n'y a pas la foi, tu n'as pas accès à la grâce. La grâce est une faveur. Il n'y a pas de mérite. Elle est là. D'accord? Si j'ai dit, assois, une grâce est faite, voilà le micro pour toi. Alors maintenant, cette grâce est là pour lui, on est d'accord? Ce qui permet qu'il accède à la grâce s'appelle la foi. Maintenant, sa foi va se déployer pour venir récupérer la grâce. Donc la foi est donc ce qui nous rend accessible la foi qui est disponible pour nous. Non, qui rend disponible la grâce qui est disponible pour nous. Donc ça veut dire que c'est par la foi que je saisis la grâce. Toute grâce que Dieu te fait, tu as besoin de foi. Donc la foi c'est quoi? C'est la confiance que je place en Dieu. Et qui a confiance en Dieu? C'est ton âme qui a confiance en Dieu. Ton âme peut soit douter, soit faire confiance. Mais quand tu as la foi, tu inclines ton âme dans la fréquence des possibilités divines. À partir de ce moment, il y a des choses dans ton âme, des questions que tu ne te poses plus jamais. Voyez-vous, les limitations de la vie sont imposées par notre système de pensée. Il faut faire très attention à ces limitations que nous avons au niveau de notre âme. Les gens sont limités par leur manière de penser. Telle âme pense, telle elle est. Donc, la foi est quand même un processus intelligent. Hélas, beaucoup de personnes pensent que la foi c'est quelque chose, on est là, et puis dans les airs, quelque chose tombe, boum, comme si, non, c'est un processus intelligent. Et je veux dire que c'est plus scientifique que les mathématiques. Le drame, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas la science de la foi. Il y a derrière toute une intelligence. Donc, que ce soit la santé, que ce soit le mariage, les enfants, la richesse, la paix, l'excellence, ces choses-là, on les a par la foi. Je saisis la grâce. Eh bien, vous pouvez voir une jeune dame, et elle est là, elle croit en Dieu. Oh, Seigneur, je veux, comme la majorité des sœurs de l'église aujourd'hui, un homme riche qui a du blé. Alléluia. Quand vous voyez à l'église un homme qui a reçu des prophéties, et les sœurs ont dit, Dieu m'a dit, c'est mon mari, c'est jamais un pauvre. Donc, il faut. Donc, c'est sa foi. Il me faut quelqu'un de bien. Parce que la femme recherche la sécurité. Donc, derrière sa richesse, ce qu'elle demande, c'est la sécurité. Et souvent, en fait, ce n'est pas toujours l'argent qui met les gens en sécurité. Voilà. Donc, c'était une parenthèse. Alors, donc, maintenant, Dieu dit ok, je crois, je vais te donner. Tu as cru, je vais te donner ce que tu désires. Car si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Maintenant, le gars qui vient vers toi, il n'est pas forcément un homme riche à l'apparence. Il est un homme riche, mais qui est déguisé dans un état moyen. Il a un salaire peut-être de 500 000, 300 000 francs, de 400 euros, de 800 dollars. Et toi, tu dis, non, je veux un homme milliardaire. Mais c'est un milliardaire déguisé. Dieu te l'envoie sous forme de semence, parce que dans 10 ans, il sera milliardaire. Dans 7 ans, il aura une autre dimension. Mais quand il arrive, tu ne le reconnais pas. Pourquoi? Parce que ton âme n'a pas été renouvelée pour comprendre les méthodes d'action de Dieu. Tu t'es limité à tout ce qui est charnel. Mais à partir de cet instant, le Saint-Esprit qui parle à ton esprit te dira, voilà cet homme que tu as demandé, c'est lui-là qui est en train de venir. Ton âme dit, mais ce n'est pas possible. Comment ce n'est pas possible? Il n'a pas ce que j'ai demandé. Il n'a même pas de voiture. Il est locataire, il n'a pas de maison. Le Saint-Esprit te dit, c'est lui. C'est lui. C'est pour ça que la Bible dit, qui a reconnu le faible bras de l'Éternel? Quand Dieu décide de te secourir, la main qu'il envoie ne ressemble pas à celle que tu attends. Elle vient sous une forme faible. Mais quand elle se déploie dans sa splendeur et sa puissance, c'est alors qu'on se rend compte que c'était vraiment lui. C'est pour ça que quand Jésus est mort, la terre a commencé à trembler. Un jeune homme de 33 ans, son décès fait trembler toute la terre. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et le centenaire dit, assurément, cet homme était le fils de Dieu. Mais quand il était au milieu d'eux, personne ne reconnaissait sa grandeur. Je suis en train de te dire que le temps arrive où la terre va trembler devant les exploits que Dieu fera par ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous savez, il y a des gens qui ont des appels qui feront trembler la terre entière. Il y aura des secousses.
des vibrations sismiques, la terre va secouer. On saura qu'il y a quelqu'un qui est sur la terre. Tu ne peux pas vivre sur la terre comme quelqu'un d'anonyme. Non, non, tu n'es pas quelqu'un d'anonyme. Tu es la lumière du monde. On n'allume pas la lampe pour la mettre sur la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Donne-moi le meilleur des amens. Même ta tombe aussi, mais tiens, ne sera pas comme les autres. Parce que même les autres morts reconnaîtront qu'il y a mort et il y a mort. À cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ce que nous sommes en Dieu. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Qui de vous croit qu'il existe? Qui croit qu'il existe? Eh bien, très bien. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Soyez prêts pour ça. Quand vous commencez à entrer dans l'univers de la foi et que votre âme a cru en Jésus, c'est votre âme qui a cru. Est-ce que vous savez que c'est votre âme qui a donné à votre esprit d'être récréé? C'est parce que tu as cru en Jésus, dans ton âme de pécheur, que la nouvelle naissance a été ton œuvre. C'est pourquoi j'insiste pour dire que la première fois où nous avons tous la foi, c'est quand nous étions païens. Donc la foi n'est pas quelque chose qui est réservé aux chrétiens. La première fois que tu as eu la foi, tu étais encore païen. Et dans la Bible, les seules personnes mentionnées comme étant des gens de grande foi n'étaient pas des fils d'Israël. Le centenaire n'était pas d'Israël. La femme cananéenne n'était pas d'Israël. Mais c'était des gens de grande foi. Ça veut dire que je peux croire. Oui, je peux croire. Quelqu'un peut entrer dans cette église. Il n'a jamais fait les cours d'école dimanche. Il n'a jamais été baptisé. Il n'a jamais entendu parler de Jésus. Mais il a une plus grande foi que toi. C'est une question d'âme. Souvent, notre présence régulière à l'église nous rend familière à l'action de Dieu. Et nous éloigne donc justement de la plateforme des miracles. Et nous devenons des personnes que nous croyons plus aux miracles. Mais nous sommes dans le spectacle. Et non dans l'expectative d'un miracle. Ah, le drame. Tu chantes, tu danses, tu chantes, tu danses. Sans jamais avoir une attente glorieuse. C'est pourquoi les personnes intelligentes savent garder le calme devant l'Éternel et espérer en lui. C'est ça justement la marche avec Dieu. Au niveau de ton âme. Ton âme. Donc, il est important de comprendre que si la perspective du renouvellement de mon intelligence ne se fait pas sans la, dans la dynamique de la foi, alors ma foi, cet acte est vain. Donc il faut que quand je renouvelle mon intelligence, cela se fait dans la dynamique de la foi. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas l'adoption des pensées de Dieu justement pour dire que oui, je pense comme Dieu pense, mais aller à la dimension de devenir l'égal de Dieu. Voyez-vous? Parce que, écoutez-moi bien, regardez, écoutez, saisissez ça, parce qu'il faut que vous viviez avec ça, ok? Première chose qu'il faut comprendre, est-ce que vous pensez que Dieu peut tout faire? Oui. Qui lève la main, qui dit, ouh, alléluia. Dieu peut tout faire? Oui. Eh bien, est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais voulu être la seule personne capable de tout faire? Dieu a voulu que la nouvelle création soit égale en lui en puissance. C'est pourquoi par la foi, nous opérons dans les mêmes fréquences de puissance que Dieu. La foi est donc la seule loi qui te rend l'égal de Dieu en action, en puissance, voyez, et en réalisation. Donc par la foi, ta vie excelle et s'installe sur les paramètres des normes divines. C'est ça la foi. D'accord? C'est ça la foi. Donc quand on te voit faire, on voit Dieu faire. Qu'il en soit ainsi pour toi. Dis encore amen. Afin que ta foi saisisse ce que le ciel t'a réservé. Dis encore amen. Maintenant, comment vient la foi? La foi vient d'où? D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on? De ce qu'on entend. Eh bien, qui entend? Ton esprit ou ton âme? Qui entend? Ton âme. La foi vient de ce qu'on entend. En fait, la foi vient de ce qu'on comprend. De ce qu'on entend Dieu dire. Je simplifie encore. La foi vient de ce qu'on apprend, de ce qu'on comprend, de ce qu'on entend Dieu dire. C'est-à-dire, quand Dieu dit, je vais te bénir, quelle est ta compréhension de bénir? Il y a des gens qui pensent quand on dit que Dieu va les bénir, c'est que quand on va imposer à monsieur, ils vont bouger, je sens le ciel, boum. Dieu m'a béni. C'est eux, ça, être béni. Voilà leur compréhension de bénédiction. Donc, vous voyez, il y a des gens, moi-même, il y a des gens, je suis pasteur, je prie pour les gens, je touche la personne, je sais qu'il n'y a rien, mais il tremble. Bon, il tombe lui-même, rien ne l'a poussé par terre, mais il se force de tomber lui-même. Je sais, quand il y a une fréquence que tu sais, il y a des personnes, j'ai prié pour une dame, j'ai dit, hey,
Je regarde bien. Ouh, je sens que là, c'est le fake, c'est le faux. Mais je continue ma prière. Oh, ouh, Dieu me dit. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, je reçois. Ouh, oui, Seigneur, je reçois. Et puis à la fin, il me dit, Dieu m'a dit que c'est toi qui vas me donner l'argent. Alors moi aussi, maintenant, je dis, ouh, rimbo, chandé, ouh, ouh, ouh. Alléluia. Oh oui, Seigneur, j'attendrai que tu parles. Alléluia. Et puis c'est fini. Vous voyez, donc on a beaucoup de personnes. Vous devez faire très attention. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit, Dieu m'a dit, que tu vas sceller ça comme étant la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même si la personne s'appelle prophète un tel, faut jamais engager ta vie sur la parole qu'un homme te donne. Jamais, quel que soit son titre, jamais de la vie. Parce que quel que soit l'homme, quel que soit l'onction qu'il transporte, il peut se tromper et il peut lui-même être corrompu par les convoitises de son âme. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est très important. Donc si un homme parle, tu as le droit d'examiner. Tu as le droit d'examiner. Oh, Dieu m'a dit, donne-moi ta voiture. Et frère, pasteur, prophète, je vais aller prier l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes manipulées parce qu'elles ont l'âme fragile. Et beaucoup de personnes sont détruites dans l'église parce qu'on a fragilisé leur âme par les, ainsi par l'Éternel. Non, ton âme a le droit de poser des questions. Vous savez, c'est intelligent. Je parle de scientifique, c'est intelligent. Marie dit, comment cela se fera-t-il? Ça veut dire qu'elle était en train d'examiner pour savoir si cet ange-là même, est-ce que c'est Dieu qui parle? Comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme, tu me dis, je vais faire un enfant. Comment? C'était la lame qui posait des questions. Vous savez, ne permettez jamais à une religion et à une église ou à un pasteur ou à un prophète d'anesthésier votre âme. Il y a des gens qui ont l'âme anesthésiée par les discours profiteurs. Ton âme doit être en éveil. Voyez-vous, on est intelligent. Faut réfléchir. C'est très important. Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit n'a pas dit, Dios, pose les questions à l'ange, je vais te frapper, non. Non, c'est... Non. Est-ce que vous comprenez? Non. Il était dans l'obligation de répondre. Il a répondu. Il a dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Donc ça veut dire que Dieu te donne la capacité de poser des questions. Est-ce que Abraham, notre père à la fois, n'a pas posé la question? Il dit, Dieu, mais toi, tu me dis, j'aurai un enfant, c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Dieu dit non. Vous savez, chaque fois que vous posez des questions intelligentes, vous déclenchez des réponses de Dieu. Il faut poser des questions intelligentes. C'est important. Donc, elle a posé la question. Quand la grâce vient sur ta vie, la grâce va créer des dispositions favorables. C'est-à-dire, elle descend. Elle crée un environnement de faveur spéciale. Et quand la faveur est là sur ta vie, la faveur va te donner d'obtenir ce que sept temps de fort ne peuvent obtenir. Tu l'as en une seule seconde. Parce que la faveur est sur toi. Elle dispose le cœur des hommes. Les gens rêvent à ton sujet. Les gens dorment, ils pensent à toi à cause de la faveur. Les gens te voient, ils t'aiment. Les gens te voient et d'autres te détestent à cause de la faveur. C'est ce que la faveur fait. C'est ce qu'elle fait. La faveur était sur Joseph et ses frères l'ont vendu alors que la grâce était là. Mais elle coopère avec les plans de Dieu. Même quand dans l'intelligence humaine ne comprend pas, la grâce amène par des voies souvent insaisissables par l'intelligence humaine les réalisations divines. C'est ce que la grâce fait. Peut-être tu es sur ce chemin tortueux. Peut-être tu passes par là. Dieu t'a promis l'élévation et on t'a renvoyé du travail le lendemain. Et tu dis, c'était une prophétie. Pourquoi tu paniques? Il t'a promis la gloire. Il s'est rendu compte que l'entreprise où tu es, quel que soit le degré d'élévation, tu ne vas pas atteindre 2 millions de salaires. Alors qu'il te réserve 10 millions. Il te fait renvoyer. Pas parce qu'on te cherche du travail, mais parce qu'il t'amène à une autre porte favorable. Alors reçois cette nouvelle porte que Dieu ouvre. Donne-moi le meilleur des amens. C'est pour ça qu'il faut avoir l'âme qui est renouvelée et comprendre que Dieu n'est pas obligé d'emprunter les voies humaines. Donc cette grâce te donne une capacité. Elle va aussi susciter l'incompréhension autour de toi.
les gens ne comprennent pas. Imaginez Joseph, les palabres qu'il y a eu, les rencontres de Joseph et de Marie étaient des rencontres houleuses. Marie dit, Dieu m'a parlé. Dit, toi, Dieu t'a parlé comment? Depuis quand tu as vu une femme qui dit que la grossesse, toi là, tu m'as trompé. Oh Marie, tu m'as fait ça. Joseph est fâché. Mais Joseph est un bon gars. Il a été bien éduqué. Il aime Dieu. Il n'est pas dans la calomnie. Les personnes qui craignent Dieu ne calomnient pas. Les personnes qui calomnient sont en train de montrer qu'ils sont dans l'orgueil. Il n'y a que l'orgueil qui t'amène à disgracier les autres. Non, Joseph dit, bon, ok. Mais il avait mal. Il avait mal. Vous imaginez Marie, à cause de l'ange, elle n'a pas prié pour que l'ange vienne, mais l'ange est venu. La voilà en problème. En problème. Elle court le risque d'une lapidation dans la société. Parce que là, on peut détecter qu'elle est tombée enceinte alors qu'elle n'est pas encore mariée. Vous savez, souvent, la grâce vous embarrasse. Elle vous donne des résultats qui vous amènent même souvent à vous cacher. Allez demander à Elisabeth, quand elle est tombée enceinte, elle s'est cachée. C'était plus le moment de se montrer parce que peut-être on va dire c'est un kyste qui a grossi parce que personne même ne va croire. Je suis en train de voir Dieu cogner à ta porte et t'apporter justement des choses incroyables se produisent dans ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous voyez donc, la grâce va t'introduire dans cette sphère que le Saint-Esprit appelle la sphère des exploits uniques et des miracles rares. Exploit unique et miracle rare. Avez-vous déjà vu un jour sur terre, une femme vierge accoucher? Bien oui, parce que vous ne l'avez pas encore vue. Alors Dieu, quand il rencontre un homme ou une femme, il fait avec elle les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Donc je suis en train de dire à ton âme de s'attendre à recevoir des informations que l'intelligence ne peut pas décrypter, que seule la foi peut apporter à manifestation. Que cela soit ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Oui, c'est ça ce que Dieu fait. Un Dieu incroyable. Voyez-vous, c'est ce que Dieu fait. Et là, c'est au niveau de ton âme. Et au niveau de ton âme, des questionnements. Au niveau de ton âme. Mais Dieu est plus grand que nous. Dieu est au-dessus de tes voies. Dieu est plus grand. D'accord? C'est très important. Donc, cela m'a posé la question. Je ne connais point d'homme. Je ne connais point d'homme. Voyez-vous pourquoi? Parce qu'elle pensait que Dieu était obligé d'utiliser les voies usuelles. Et c'est ça le drame de beaucoup de croyants. Ils pensent que quand Dieu veut faire quelque chose dans leur vie, il doit passer par les voies habituelles. Et on nous a tellement façonnés à croire que notre vie passe par un salaire. Et vous voyez, les gens, ils se battent. Ils ont 3-4 doctorats, mais ils veulent un travail. Ils vous disent, non, moi, je suis sans emploi. Mais comment est-ce possible qu'avec tout ce savoir, vous pensez qu'à travailler pour quelqu'un? Parce que l'âme a été formatée à être employée. Et chaque fois qu'on dit, il faut se déployer, l'âme a peur. L'âme ne veut pas affronter la vallée des peurs. Mais si elle n'affronte pas la vallée des peurs, elle ne connaîtra pas la splendeur de la gloire. Voilà le vrai problème. Les gens n'aiment pas prendre des risques. Parce que le système a été muselé. Dieu a répondu. Il a aussi répondu à Abraham. Et la troisième chose, et oh ça j'aime ça, c'est incroyable Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener l'âme de, suivez bien ça, il va amener l'âme de Marie à ovuler. Le problème, c'est que tant que la sémence ne trouve pas d'ovule, il n'y a pas fécondation. Donc maintenant, quand Dieu te parle, il faut qu'il y ait ovulation. Tu peux avoir les rapports sexuels, mais quand il n'y a pas ovulation, il n'y a pas conception. Donc maintenant, Dieu va créer l'ovulation dans l'âme de Marie. Comment il va créer l'ovulation? En l'amenant voir une personne qui a été témoin d'un miracle avant elle. Il dit donc, écoute, ta parente Elisabeth, elle est dans son 6e mois de grossesse. Quand il donne l'information, mettez le verset 36. Voici Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Ça veut dire qu'on avait calomnié Elisabeth. Tout le monde parlait d'Elisabeth, de son mari qui sert Dieu. Mais comment est-ce qu'elle n'a pas d'enfant? Et donc elle était vieille. Donc elle avait passé elle avait déjà mis un cachet pour dire c'est terminé. Souvent quand Dieu t'aime beaucoup, il complique ta situation avant d'agir. Hey!
Et donc, il dit, va voir Élisabeth. Maintenant, quand il va voir Élisabeth, qu'est-ce qui se passe? En allant, pensant Élisabeth enceinte de 6 mois, c'est au moment où l'enfant est déjà scientifiquement, le vent ne peut plus être caché. On a déjà des signes. Donc, en regardant, elle peut voir. Et à partir de cet instant, l'enfant peut déjà commencer à entendre clairement les sons de l'extérieur et communiquer même de l'intérieur vers l'extérieur qui n'est pas content. C'est en ce moment-là que justement, et on va dire Élisabeth est enceinte. Pourquoi Élisabeth n'est pas tombée enceinte depuis? Parce que quand Dieu te fait une promesse, il ne tient pas compte des fuseaux horaires de terrestres, mais il tient compte des fuseaux horaires de sa volonté parfaite. Et le fuseau horaire de la volonté parfaite est arrimé sur Christ. C'est pourquoi tout ce que Dieu fait dans ses plans correspond à l'avènement de Christ. Donc par rapport à Élisabeth, l'enfant qu'elle devait avoir avait un rôle à jouer par rapport au Christ, dont le retard était dû au temps marqué par Dieu pour la venue du Messie. Donc cet enfant devait jouer un rôle précurseur. S'il naissait trop tôt, il passait à côté. S'il naissait trop tard, il ne jouait pas le rôle. Donc elle était arrimée à la fréquence du fuseau horaire de la volonté parfaite de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas en retard. Ton amen, ma belle, tu n'es pas en retard. Est-ce que vous savez qu'on est ici, le jour s'est levé, sur la terre, il y a des gens qui dorment encore. Il y a des gens qui dorment. Il y a ceux qui sont en train de vouloir dormir. Vous êtes ici, vous dites, on est, il fait jour. D'autres personnes vous disent, il fait nuit. Vous savez, attention. Quelqu'un peut être ton voisin, mais vous n'opérez pas dans le même fuseau horaire. Il ne faut jamais se comparer à quelqu'un d'autre. Et de deux, il faut apprendre à apprécier la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un. Parce que ton ovulation peut être due au miracle qui se produit dans la vie de ton frère. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. C'est pourquoi il faut écouter les témoignages des autres. Le témoignage fait naître l'espérance, mais jamais la foi. L'espérance, tu crois que Dieu est puissant. Parce que tu le vois, tu dis, waouh, s'il l'a fait dans la vie du révérend Hervé, il le fera pour moi aussi. C'est l'espérance. Et la Bible dit, l'espérance en Dieu ne déçoit jamais. Mais ce n'est pas la foi. L'espérance, c'est l'ovulation. Ton âme ovule. Donc là, il y a ovulation. À partir de l'ovulation, Dieu sait que c'est le moment d'injecter maintenant sa semence. Beaucoup ont reçu des semences, mais n'ovulaient pas. Et c'est pourquoi quand tu sors du temple de la foi, tu te rends compte que tu as ovulation dans l'âme. Tap, 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 tu, ça bat de l'autre côté, tu sens que c'est... Même tes désirs de Dieu augmentent, ta manière de prier augmente. Tu as envie de passer du temps avec Dieu. C'est que tu es en train d'ovuler, tes désirs augmentent. Vous voyez, il y a des messages qui créent l'ovulation dans l'âme. Et il y a des messages qui coupent les trompes. C'est-à-dire, même tu écoutes comme ça, tu ne crois même plus que Dieu peut faire un miracle. Tu es tellement pitoyable sur ton propre sort que tu as l'impression que Dieu même, si tes rencontres passent à côté. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'à la sortie de ce culte, quelque chose va se produire dans ta vie. Tellement le meilleur des amens. Et pour d'autres personnes, c'est déjà en train de se produire. Ta manière de dire amen m'embête. Tellement le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Dans le témoignage suscite l'espérance. C'est pour ça qu'il faut toujours témoigner. Il ne faut jamais cacher ce que Dieu fait. On ne cachera pas les bienfaits de l'Éternel à la grande assemblée. Il faut toujours raconter. Il faut toujours dire. Il faut toujours publier ce que Dieu a fait. Parce que vous êtes en train d'encourager les frères. Nous avons un grand Dieu. C'est pour ça que je ne connais pas la jalousie. Je ne serai jamais jaloux. Je suis heureux de ce que Dieu fait avec les autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand j'ai découvert le nom de El Shaddai, pasteur Begré, Van Begré, El Shaddai. Ce El Shaddai, on a dit pendant longtemps que c'est un Dieu puissant. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est un Dieu qui a plusieurs saints. Donc, il a plusieurs mamelles. Donc, quand il donne naissance à un enfant, il n'est pas obligé, il ne prend pas la mamelle qui est déjà utilisée. Il y a une nouvelle mamelle qui jaillit. Donc, il fait téter les enfants chacun dans sa mamelle. Donc, pendant que tu es en train de piquer ici la santé divine, quelqu'un est en train de récupérer la prospérité. L'autre est en train de récupérer la paix. L'autre est en train de sucer la joie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Chacun est là couché et en train de... Vous voyez ce que je suis en train de dire? Amen. Mais Dieu est tellement bon. Parce qu'il y a certains parmi vous, vous avez, non seulement vous avez les dents, vous croquez même les mamelles de Dieu, mais il est calme. Il laisse le lait jaillir. Parce que c'est pour toi. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu comble ton âme. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Mais il n'est pas comme une femme qui a l'aide, qui peut être fatiguée d'un enfant qui t'aide trop. Il dit, t'aide autant que tu peux. Si ton âme désire, suce. Parce que le Dieu que je suis est intarissable. Le lait ne s'arrête pas.
suce, il y en a pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Et pendant que tu suces et que tu vois l'autre côté en train de rire, agrippe-toi seulement sur ta mamelle. Jette un coup d'œil sur ton frère. Réjouis-toi parce que c'est le même Dieu qui est en train de vous lâcher du lait à l'intérieur au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Alléluia. Amen. Les gens qui connaissent Dieu ne sont pas jaloux. Quand je vois les gens jaloux, ils sont obligés de calomnier, de raconter des histoires parce qu'ils voient quelqu'un béni. C'est les gens qui opèrent par la chair. Quand vous connaissez Dieu, vous n'êtes pas jaloux. C'est pas possible. Non, pas du tout. Parce que vous savez que ce Dieu-là, s'il a fait pour X, il le fera pour Y. S'il a fait pour Raoul, il le fera pour Marc. C'est clair. Et chacun portera du fruit en sa saison. Donc ton âme doit être éduquée à placer son attente en Dieu. Dis encore amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Maintenant, regarde comment tu es né de nouveau. Romains 10, verset 9 à 10. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez-vous, ça, c'est le salut. Mais combien de personnes parmi nous croyons à l'originalité et à la simplicité du salut, tel que le Seigneur nous l'enseigne? La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur. Ça veut dire que pour être sauvé, il faut croire et parler. Il faut croire et parler. Il faut croire et parler. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui parlent sans avoir cru. Donc là, ta parole n'a de puissance que quand ton âme croit. C'est dans le cœur que tu crois. C'est pourquoi, faites attention à comment vous pensez. La foi doit affecter tes pensées. Faites attention. Vous savez, beaucoup de personnes disent, « Oh, mais ce gars, oh, c'est un grand homme de foi. » Mais non. Non, en fait, quand plus vous marchez avec Dieu, vous vous rendez compte que non, finalement, c'est si simple. Vous êtes seulement en train d'obéir à ce que Dieu vous dit. Moi, j'essaie de comprendre ce que Dieu me dit. C'est tout. J'essaie de comprendre comment Dieu fait. Vous savez, les gens pensent toujours qu'il faille que vous passez par des choses incroyables, des souffrances atroces. Moi, j'ai dit dans tous les cas, le peuple d'Israël a traversé le désert pendant 40 ans. Et si tu crois que le désert est ta portion, ce sera ta portion. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne crois pas au désert. Je ne crois pas au désert simplement parce que dans l'ancienne alliance, on n'avait pas le Messie. Dans la nouvelle alliance, on a le Messie. Le Rédempteur ne peut pas avoir payé le prix pour mon rachat et que moi je souffre à nouveau pour ma bénédiction. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas au désert. Je ne crois pas. Et même si il était possible que certains d'entre nous passions par des moments difficiles. Le moment difficile ne veut pas dire désert. Non, désert veut dire qu'il n'y a rien. Le moment difficile, il y aura des moments difficiles. Maintenant, le moment difficile, Dieu te montrera sa fidélité. Amen. Toujours. Je ne crois pas à ce Dieu qui va te laisser dans une maison 7 mois sans te faire payer le loyer. Ce n'est pas le Dieu que j'adore. Non. Mon âme refuse ce genre de Dieu. Je ne crois pas en ça. Est-ce que vous comprenez? Non. Je ne crois pas en ce Dieu qui est obligé de te punir en te donnant des maladies. Mon âme ne l'acceptera jamais. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai entraîné mon âme dans l'univers de la foi. Je ne crois pas à un Dieu qui donne à leur mari, à un mari de battre sa femme. Je ne crois pas. Mon âme ne l'accepte pas. Je ne crois pas à ce genre de choses. Il y a des choses que mon âme n'a pas intégrées. Et mon âme dit non à ça. Parce que mon âme a compris qui est Dieu. Je suis, en tant que quelqu'un né de nouveau, un distributeur de grâce. Un guichet automatique de bonté divine. Donc quand quelqu'un vient en contact avec moi, il est guicheté pour entrer dans les bontés de Dieu. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. C'est ce que je crois. Et c'est dans cette perspective que je vis. Voyez-vous, c'est très important. Donc, c'est ça qu'on appelle la foi. Notre système de pensée. Qui penses-tu que ton Dieu est? Ce Dieu-là qui ne peut pas te donner une voiture. Au point où quand quelqu'un achète une voiture, que ce soit une Rolls Royce ou alors un jet privé ou un hélico, qu'ils soient en train de dire qu'on gaspille l'argent de Dieu, jusqu'où ton âme conçoit que Dieu est Dieu, jusqu'à quel palier tu vois Dieu, celui qui donne quoi, les mille et le petit pain le matin ou bien les sauterelles à son peuple, si c'est ça ton Dieu, c'est ce qui va se faire. Ça, la Bible dit qu'il se doit faire selon ta foi. Donc ton âme doit être entraînée dans l'univers des possibilités. Et à partir de cet instant, il y a des réponses que ton âme n'accepte plus jamais. Pour moi, non n'est pas ma réponse. Ça ne veut pas dire qu'on ne m'a pas souvent dit non. Et qu'on ne m'a pas dit non. Même ma femme m'a d'abord dit non. Mais il y a des noms qui cachent des oui. C'est pas parce qu'on t'a dit non que c'est non. Ça ne veut rien dire, non.
Il y a des noms parce que on peut te dire non parce qu'on a peur. C'est tellement glorieux qu'on te dit non. Ça ne veut pas dire que tu es petit. On te dit c'est tellement glorieux que tu dis non. Voyez-vous, il ne faut pas toujours te regarder comme la personne qu'on rejette. Celui qui ne t'accepte pas dans son périmètre est en train d'éloigner la grâce auprès de lui. C'est tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je... C'est tout. Vous devez être quelqu'un de conçu dans l'âme. Les victoires s'obtiennent dans l'âme. Il y a des gens qui sont faibles dans leur âme. Jamais de la vie, demandez à ma femme, jamais vous ne me verrez pleurer à cause d'une accusation. Jamais vous n'allez me voir faire tomber les larmes parce que les gens ont dit des choses mauvaises de moi. Je sais tellement qui je suis, je sais tellement qui Dieu est, que même si toute la terre entière faisait un direct sur la chaîne la plus suivie pour parler à mal de Wafo, je danserais dans sa présence. Je suis tellement conscient de ce que Dieu est et de ce que je suis en lui, qu'aucune information contraire ne falsifiera les paradigmes mentaux que j'ai de moi-même et de mon Dieu. Le Dieu que je serai bon. Voulez-vous que je parle un peu de mon Dieu? Il est celui qui a libéré le peuple d'Israël d'Égypte après 430 ans de captivité. Il est ce Dieu qui a équipé un homme qui était sans compétence et l'a sorti, n'est-ce pas, du désert pour aller défaire la nation la plus puissante. Avec un bâton, un homme appelé Moïse a défié l'armée la plus puissante de son époque. Voulez-je vous parler de mon Dieu? Il était avec Moïse. Et la Bible dit en somme que quand Moïse a approché des eaux, les eaux ont tremblé devant le peuple d'Israël. C'est de ce Dieu que je parle. Voulez-je vous parler de mon Dieu? Il a été capable de nourrir 3 millions de personnes dans le désert en faisant tomber la manne et la caille régulièrement. Voulez-je vous parler de mon Dieu? Dans le désert, il a fait jaillir l'eau du rocher. Voulez-je vous parler de mon Dieu? Il était avec le prophète Élie quand il a défié les prophètes de Baal. Voulez-je vous parler de mon Dieu? Voulez-je continuer à raconter qui est ce Dieu-là? C'est ce Dieu que mon âme connaît. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ce Dieu-là que je connais. Ce Dieu est celui-là qui allait rencontrer une vierge et qui lui a dit tu seras enceinte. Elle est tombée enceinte. Voulez-je vous parler de mon Dieu? Il a donné son fils en sacrifice à la croix. Il est mort et le troisième jour, la terre l'a vomi. Voulez-je vous parler de mon Dieu? Il est resté d'entre les morts. Il est assis à la droite de Dieu d'âge en âge. Voulez-je vous parler de mon Dieu? Il a dit je ne te laisserai pas orphelin. Je viendrai à toi. Voilà le Dieu que j'adore. Voilà le Dieu que je sais. Voilà le Dieu auquel mon âme espère tous les jours. C'est ce Dieu-là de qui je dépends. Voulez-je parler de mon Dieu? C'est lui ce Dieu-là. Dites-moi donc, quelles circonstances de la vie, quelle situation, quelle épreuve pourra ébranler une âme qui connaît tant son Dieu? Ceux du peuple qui connaîtront le Dieu feront des espoirs et agiront avec fermeté. Il est temps pour toi de connaître ton Dieu, de quoi il est capable, ce qu'il va faire. Je te garantis que les jours à venir sont des jours de grandes surprises, de grandes faveurs. Ton amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Que cette faveur soit ta portion. Dis amen. Alléluia. Ton âme, oui ton âme a introduit ton esprit dans la nouvelle naissance. Ton âme a donné à ton esprit d'être récréé. Ton âme l'a fait. Tu ne peux pas imaginer de quoi ton âme est capable. Juste la main sur ton cœur, dit mon âme est capable de grands exploits. C'est pour ça que j'engage mon âme dans le boulevard de la foi. Déclare-le encore, déclare-le encore, déclare-le encore. Alléluia. Amen. Amen. Alors, eh bien oui, je réponds à une question que vous vous posez. Eh bien oui, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais quand je ne comprends pas? Je crois. Je reprends. Qu'est-ce que je fais quand je ne comprends pas? Je crois. Alors, croire est simple. J'accepte qu'il y a des réalités ou des vérités qui sont au-dessus de mes connaissances et qui sont du ressort de celui qui est capable de tout faire. Donc, quand il me donne une parole et que c'est de lui, quand j'essaie de comprendre, alors je ne comprends pas, mais je comprends sans comprendre que Dieu va faire dans ma vie ce qu'il a annoncé, même si mon intelligence n'a pas compris. Alors, ça s'appelle croire. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois parce qu'il a parlé. Je crois parce qu'il est fidèle. Je crois parce que j'ai des témoignages autour qui m'ont démontré sa fidélité. Je crois parce qu'il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, que ce qu'il dit, il accomplira certainement. Je crois parce qu'il est mon père. Je crois parce qu'on est en alliance. Je crois parce qu'il est puissant. Je crois parce qu'il n'y a personne d'autre comme lui. Je crois parce que je choisis de croire. C'est tout, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix de vie. Et pour nous qui avons la foi, c'est le meilleur choix de vie.
Voyez-vous? Et vous savez, dans une dimension d'attente avec Dieu, permettez que je vous parle de ça en profondeur. Vous entrez dans un niveau où Dieu devient votre ami. Vous savez, le drame, c'est que beaucoup de personnes pensent que Dieu est l'ami parce que tu chantes. Tu peux chanter 1000 ans. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ami parce que tu as chanté. Alléluia, Seigneur, alléluia. C'est pas ça, la vraie adoration. Les vrais adorateurs, ils adorent sans chanter. C'est pas tout le temps qu'ils chantent. Quand Abraham a pris son fils Isaac et qu'ils sont allés sur la montagne, la Bible dit qu'ils sont allés pour faire quoi? Adorer. Ça veut dire que la marche était une adoration. Il prenait son fils et il marchait. Marcher avec Dieu était une adoration. C'était pas alléluia. Non, ça peut être émotionnel. La marche était une adoration. Elle, il y avait une compréhension de la marche avec Dieu. Quand il prenait son fils et que son fils lui demande, mais papa, voici le bois, mais voici le feu, où est l'agneau? Il était tellement ami de Dieu que lui, il dit, sans la permission de Dieu, que Dieu lui-même pourvoira à l'agneau du sacrifice. Il était tellement ami qu'il lisait dans l'âme de son ami. C'est ça l'amitié. Et il savait que non, mon ami Dieu est trop bon. Il ne peut pas me donner un fils et le reprendre 33 ans plus tard. Impossible. S'il le demande, alors sûrement, regarde, il aime surprendre mon ami, que sûrement, quand je vais le tuer, il va revenir à la vie. Dieu n'avait pas prévu la résurrection. C'est Abraham qui l'a établi. C'est-à-dire que même s'il l'avait prévu, Abraham l'établit et permet à la résurrection d'être valide sur la terre. Parce que Dieu devait trouver quelqu'un qui orchestre la résurrection pour que son fils puisse ressusciter. Donc c'est ainsi qu'il donne dans son amitié avec Dieu, dans la compréhension de Dieu. Il dit, si Dieu me demande mon fils, il le redonnera. C'est ainsi que Dieu va donc dire, puisque tu crois que je vais ressusciter ton fils, j'acte qu'il m'a déjà été donné. Donc quand il sort de la maison le premier jour, pour Dieu il est déjà mort. Le troisième jour, quand il arrive sur la montagne, ce jour n'était pas le jour du sacrifice, mais c'était le jour de la résurrection du sacrifice. Voyez-vous? Et donc, quand vous êtes amis de Dieu, et c'est ça le problème. Vous savez, vous parlez trop. Vous êtes tellement dans le bruit que vous n'avez pas le temps de la relation avec Dieu. Ce n'est pas pendant que vous êtes en train de prier. Tu vas vous parler quand? Vous savez, j'ai eu des relations, des rencontres avec Dieu. On joue au carrefour de la deux. J'étais dans ma voiture, la gloire est descendue, j'ai garé au bord de la route, j'ai commencé à parler avec Dieu, j'ai commencé à pleurer et Dieu a ouvert mon ventre, il m'a montré les ministères qu'on voit aujourd'hui dedans, il m'a montré des livres qui ne sont même pas encore écrits, je les ai vus dedans, j'ai pleuré, j'ai dit Dieu comment je vais faire ça et il m'a répondu. Vous savez, l'amitié avec Dieu, c'est pas venir à l'église seulement tu cries, c'est pour l'église, mais c'est une vie. On dit, et Abraham, il s'assoit vers les chaînes de mon mari. Et puis, trois hommes apparaissent. Ce sont ces genres de rencontres. Trois hommes viennent à sa rencontre. C'est ça. Et puis, regarde. Et puis, on dit, c'est Dieu qui vient à sa rencontre, mais trois hommes apparaissent. Et c'est une vie, c'est une histoire. C'est pas que là, et puis, il n'y a pas d'histoire entre toi et Dieu. Mais ton âme soupire après quoi? Ateke, foutu, banane, hamburgerie. C'est dramatique. Parce que ton âme doit aller à la quête des choses que les hommes normaux n'arrivent pas à voir. Tu l'as désiré dans ton âme, des choses que les personnes de ta génération n'ont pas touchées. Et c'est là à partir de ce moment que tu entres et tu transperces le voile de la possibilité pour entrer dans l'univers des impossibilités. Et là, ton âme se connecte à celui de Dieu. Dieu dit, tu es mon ami, parce que moi, je peux tout faire. Et aujourd'hui, parce que tu me connais, tu peux aussi tout faire. On devient amis. Et l'homme marche ensemble. C'est pourquoi vous voyez une femme qui est mariée, mais qui a une amie prostituée. La femme a une âme de prostituée, mais elle est mariée. Parce qu'elle ne connecte ensemble que les personnes dont l'âme ont des choses ensemble. Vous comprenez ça? Donc l'âme. Donc c'est pour ça que tu ne peux connecter qu'avec les personnes. Si vous voyez quelqu'un qui aime critiquer et qui est toujours avec quelqu'un qui donne l'impression de ne pas aimer la critique, en fait, il affectionne les critiques. C'est pour ça que c'est à son oreille qu'on chuchote. Ne vous trompez pas. Parce que aucun maïs ne poussera ici. Parce que le sol, ce n'est pas fertile. Vous devez apprendre les résolutions. Je ne suis pas des résolutions de l'âme. Job dit, à tes résolutions répondra le succès. Vous ne pouvez pas vivre sans résolution.
Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous ne sont pas résolus. Il faut être résolu. Il y a une résolution ferme. Moi, je ne demande jamais à mon corps qu'est-ce qu'il pense quand il s'agit de servir Dieu. Jamais. On est arrivé à Paris. D'accord? Je n'ai pas de résolution. Quelqu'un dise résolution. Résolution. Touche ton voisin, dis prends de bonnes résolutions. Amen. Dis-le à ton voisin, prends de bonnes résolutions. Amen. D'accord? Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions. La résolution, c'est une décision mûrie qui est prise, voyez, en conséquence de cause et que rien ne sera ébranlé, quel que soit le temps. C'est une résolution. Voyez-vous, quand on devait avoir le séminaire à Paris, quand on m'a annoncé la multitude de personnes qui s'inscrivaient, eh bien, on ne pouvait pas les accommoder. Il fallait automatiquement deux ou trois sessions. Donc, j'ai appelé la présidente. J'ai dit, Christelle, on va faire deux sessions. Elle m'a dit, bon, et elle était très embarrassée. Elle a manifesté son nom par rapport à ça. J'ai dit, non, on va y aller. J'ai dit, je sais que tu es embêté par rapport aux ouvriers, n'est-ce pas? Elle m'a dit, oui. Tu es embêté par rapport au fait qu'on va debout le matin, ce qu'on soit. Elle a dit, oui. J'ai dit, bon, écoute, avec Dieu, ne choisissons jamais les choses faciles. Faisons les choses possibles. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais très enrhumé, fatigué. Et donc, elle était avec moi. On a fait un temps de travail. À 15h, j'ai dit, bon, je vais me reposer maintenant. Mais on devait commencer le lendemain. Si j'avais prévu qu'on devait faire des sessions, je voyageais pour arriver 2 jours à l'avance. Mais dans toutes mes planifications, étaient faussées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, on va travailler. Je suis allé au lit, 15h, 16h, 17h, 18h. Je ne peux pas dormir parce que mon âme est en train de migrer dans les profondeurs de la révélation. Il faut que j'enseigne. Je me suis réveillé. Je commençais à travailler et j'ai eu 2h30, moins de 3h de sommeil. Et donc, quand je me réveille le matin, mon corps dit à mon âme, on ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir. On est fatigué. On ne peut pas tenir. Mon âme dit à mon corps, corps, ton rôle, c'est d'exécuter. On ne t'a pas demandé ton avis. Mon âme se connecte à l'esprit. Vous dites, esprit, on a besoin du secours d'en haut. Donne-nous la force de Dieu. Donne-nous l'énergie d'en haut. Et c'est ainsi que je reçois la force divine. Je parle de 10h à 21h. Oui, avec une seule heure de pause, sans arrêt. La gorge n'a pas été, même pas une friction. La gorge était claire. J'ai reçu une énergie. Je parlais et la salle vibrait sous l'électricité divine. Après 4 heures de temps, les gens ne réalisent pas que 4 heures est passée. Pourquoi? Parce qu'on est entré dans l'éternité. Les mondes se sont arrêtés. Je parle d'une autre dimension où ton âme décide d'aller à un autre niveau. Écoute-moi très bien, c'est clair. Et puis quelqu'un m'a dit, mais on ne va pas avoir de louanges et d'échanges. J'ai dit, mais vous avez vu Jésus enseigner et puis le cas c'était là. Vous avez lu dans la Bible que Jésus est venu, il est arrivé au marché, on a chanté, oh, chanté, chanté, chanté. Et puis Jésus dit, chantez encore. Non. Non, maintenant, on est à l'église, c'est normal, on peut chanter. Mais ne pensez pas que chanter conditionne mon onction. Parce que celui qui m'a oint, on n'a pas chanté avant qu'il prêche. Ah ouais? Non? Ce n'est pas une affaire de que non, les chants n'étaient pas bons, alors à cause des chants, mon onction n'a pas agi. Non, 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 non. Non, non. Moi, ça ne fonctionne pas. Mon âme a résolu qu'avec chant ou sans chantre, on va fonctionner. C'est une résolution de l'âme. À tes résolutions répondra le succès. C'est clair. Est-ce que je ne chante pas? Je chante. Mais je chante avant de sortir. Comme ça, s'il n'y a pas de chant, j'ai déjà chanté. Voilà. Est-ce que donc, mais cette résolution-là qu'on a prise a obéi à une loi d'avant. Quand Dieu m'a dit, fais le sport. Si je n'avais pas fait le sport, après 5 heures, on peut tomber. Parce que c'est l'électricité. Mais le corps a été entraîné à des exercices physiques. Mais qui était là, pourquoi? Parce que s'il doit être utilisé puissamment, il faut qu'il soit fort. On dit non, il était là, il prêchait, il est tombé sur AVC. Parce que si Dieu t'a dit fais le sport et que tu n'as pas fait le sport, quand l'onction va descendre, ton cœur peut s'arrêter. On dit le diable t'a tué, c'est pas le diable qui t'a tué. Tu n'as pas compris la grâce qu'il y avait en toi. Et sinon, on va parler de ça après. Comment tu dois respecter ton corps. Il faut prendre des résolutions. Quelqu'un dise résolution. Encore résolution. Vous devez prendre la résolution. En tant que, vous avez des amis, prends la résolution de ne jamais trahir ton ami. On a une résolution en or dans la maison. Nous ne critiquons jamais personne chez nous. Impossible. Il n'y a pas de critique. On ne peut pas dire là, on commence à calomnier. Non, dans notre maison, ce n'est pas possible. C'est impossible.
Et c'est pour ça que si tu viens chez moi, tu dis que tu n'as pas sommeil, tu te couches à 15h, tu te réveilles à 15h le lendemain. Tellement la présence est incroyable. Le ciel est ouvert à cause de ce qui s'y passe. Mais si tout le temps vous êtes dans les palabres, comment vous pouvez penser qu'une maison où on est toujours dans les palabres, il ne peut pas avoir l'atmosphère divine? Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Il y a des hommes qui disent à leur femme, prie. Non. Frère, ta façon d'être envers ta femme va changer l'atmosphère de ta maison. Un grand homme est un leader qui comprend que son âme doit être bâtie sur des principes. Je ne peux pas permettre à mes frères de calomnier ma femme en ma présence. Je ne peux pas permettre à ma propre mère de dire du mal de ma femme en ma présence. Parce que celui qui le fait est en train de t'insulter. Si tu acceptes qu'on parle mal de ta femme alors que tu es là, tu es un minable leader. Parce qu'on est en train de t'insulter en déguisé. Parce que ta femme et toi, c'est un. Idem pour ton mari. Il y a des femmes qui pensent que c'est très élégant pour dire, oh, celui-là. Celui de qui tu portes le nom, celui-là. Et tu appelles celui-là, tu parles à tes copines, tu dis, ah, laisse-le. Ton mari. Et puis quand on arrive à l'église, tu lèves les mains, tu commences à chanter. Oh, je ressens, tu sens aucune onction. Tu n'as aucune onction, tu sens, aucune. Parce que c'est important de comprendre que c'est les principes avec lesquels on vit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un dise résolution. Quelqu'un dise résolution. Il faut prendre de bonnes résolutions. Donc ton âme doit migrer dans cette dimension. Maintenant, si tu es tombé, relève-toi. Tu dois être résolu de ne jamais rester par terre. C'est une résolution. En fait, c'est la foi qui te garde. C'est la foi qui te garde. Tu te relèves. Tu n'attends pas qu'on dise oui. On commence à chanter, à prier pour toi. Non, ton âme se relève. Tu continues. C'est difficile, tu avances. C'est les résolutions de l'âme. J'ai une résolution que je prends. Vous savez, les vacances n'appartiennent qu'à ceux qui ont travaillé. Tu ne peux pas être homme d'affaires et tu dis, bon, c'est le temps des vacances, tu vas en vacances. Tu vas en vacances, tu as terminé ton travail. Dieu s'est reposé quand il a travaillé. Les personnes qui n'ont pas travaillé n'ont pas droit aux vacances. Non, c'est le temps des vacances, je suis allé en vacances. Il dit, toi, tu vas en vacances. Tu vas en vacances pourquoi? C'est le moment où tu as trouvé le travail. Où tout le monde allait en vacances, tu as trouvé le travail pour toi. Tu as passé toute l'année sans travailler. Tu pars de vacances. Quelles vacances? Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc ce sont des valeurs qu'on bâtit dans notre âme. Mais comme bon, on pense que la vie spirituelle, c'est une vie qui ne correspond à aucune règle. On pense que ce n'est pas quelque chose de scientifique, alors on s'amuse justement n'importe comment. Non, il faut cesser de vivre ce genre de vie. D'accord? C'est très important. Très important. Très important. Il faut savoir attendre de la part de Dieu. D'accord? Il faut te dire, même si c'est difficile, j'avance. Quand c'est dur, j'en dis. Si on m'a trahi, je continue d'aimer. Je ne vais pas baisser les bras. Pour terminer, mon âme a tellement attendu de Dieu qu'un jour, Dieu m'a fait faire une épreuve, une de mes plus belles épreuves de la foi. J'étais en train de prier, j'avais besoin d'argent. Et puis Dieu m'a dit, tu vas en séminaire chez ton ami. À la fin, j'envoie quelqu'un vers toi, tu remets de l'argent. J'ai terminé le séminaire et la personne ne m'a pas remis. J'ai vu personne. Mon ami m'a demandé, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer l'église. Et lui a dit, ah, j'ai envoyé quelqu'un et la personne arrive. Il m'a dit, ok, d'accord, le gardien est là. Waf, quand tu finis, on s'appelle. Très bien. Donc, il est parti. Je suis resté à l'église avec la personne qui m'accompagnait. On est resté 25 minutes, 30. Après, on entend plus au portail qu'une voiture qui klaxonne. Le gardien ouvre une voiture, une dame vient et gare, le cœur battant. J'ai dit, ah, c'est toi avec qui j'ai rendez-vous? Pourquoi? Parce que Dieu m'avait dit, j'enverrai quelqu'un te remettre l'argent. La femme était au séminaire, elle est partie. Dieu lui a dit, donne l'argent. Comme beaucoup d'entre nous, on a lutté avec. Elle a lutté. Arrivée en route, elle n'arrivait plus, le cœur, boum, donne l'argent à l'homme de Dieu. Donne l'argent à l'homme de Dieu. Elle ne pouvait plus tenir. Elle ne pouvait plus tenir. Elle est rentrée en vitesse. Elle m'a trouvé là-bas, j'attendais au bord de la voiture. Et je lui ai dit, c'est toi? Elle me dit oui. Elle était impressionnée. Personne n'était plus là, on était deux. Mais Dieu m'a dit, j'envoie quelqu'un. J'ai dit, Dieu, j'attends. Est-ce qu'à ta place, tu aurais attendu? J'ai attendu, la personne est venue. Et ce jour, j'ai eu une personne de 4,5 millions, CFA. C'était la première fois. Un montant de cette dimension. On a payé deux nuits des oracles. Elle m'a remis de l'argent en main. Dieu nous aura été préparé à l'avance parce que j'avais entendu la voix et j'ai aimé, je suis resté. Voyez-vous, qu'est-ce que ton âme, comment ton âme est résolue à attendre de Dieu? C'est ça justement. D'accord? C'est toi, tu vas rentrer, tu vas dire, est-ce que c'est mon Dieu qui m'a menti? Est-ce que c'est mon Dieu qui m'a parlé? C'est au niveau de ton âme. Ne permets pas à ton âme de t'évader ou alors de te perdre par des questions insensées. Le Dieu que tu sais est trop grand et il ne ment jamais. Que Dieu te bénisse richement. Et que sa main soit sur ta vie.
Que sa faveur t'accompagne, que sa puissance te garde et que ta vie fleurisse à une dimension insoupçonnée de gloire et de règne au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Je sais que souvent dans mes propos, je peux être assez dur pour la tradition. J'ai dit ceci, Jésus est notre modèle. Ce que Jésus n'a pas fait, nous pouvons ne pas le faire. Ce que Jésus a fait, nous devons le faire. Jésus reste le modèle. Est-ce que vous comprenez? Si vous mettez votre vie sur le standard de la parole, vous vivez une vie tranquille. Sur la parole de Dieu. C'est important. Je le dis en fait pour qu'il n'y ait pas d'équivoque là-dessus. Jésus est un modèle. C'est un choix. On peut opérer à un autre niveau, à une autre fréquence de confiance. D'accord? Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas utile. Vous êtes utile. Mais je suis en train de dire que moi, en tant qu'homme de Dieu, je choisis de ne pas dépendre du ministère des chambres, mais de dépendre de ma relation avec le Saint-Esprit pour rendre ministère, quel que soit l'endroit. Et ça marche. Parce que Jésus n'avait pas un orchestre qui l'accompagnait. Ce n'est pas pour dire que si on chante avant de prêcher, c'est mauvais. Non. Mais en même temps, je dis, on peut aller à un autre niveau. On peut opérer à un autre palier. Dieu est extrêmement fidèle. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme un pasteur qui est payé par mois par son église. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir de salaire. C'est juste un choix. Je ne veux pas être payé par l'église parce que l'église ne peut pas me payer. Mes aspirations sont trop profondes. L'église ne peut pas payer, ne peut pas me donner un salaire. C'est impossible. Ce que l'église va me donner sera petit. Donc, j'ai choisi une autre voie. J'ai dit, Seigneur, j'attends de toi directement. L'église ne me paye pas. C'est un choix. Donc, ce n'est pas pour dire que si quelqu'un est payé par l'église, il fait mal. Non, il faut même bien payer les pasteurs. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais on peut faire un choix d'opérer différemment. C'est le choix de l'âme. C'est les résolutions de l'âme. À tes résolutions répondra le succès. On va baisser nos têtes et on va prier. Père, au nom suprême de Jésus, que ton nom soit exalté. Élève ta voix. Prends des résolutions devant Dieu. Prends des résolutions devant le trône de la grâce. Prends des résolutions devant le trône de Dieu. Prends des résolutions au nom suprême de Jésus. Élève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Élève ta voix au nom suprême de Jésus. Bénis le nom de l'Éternel. Célèbre la grandeur de Dieu. Élève ta voix. Parle à Dieu. Prends des résolutions dans ton âme. Donne à ton âme d'être ancrée dans la volonté parfaite de ton Créateur. Ancrée, ancrée profondément. Ancrée véritablement. Ancrée, ancrée dans les profondeurs de la vérité au nom suprême de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Parle, prie au nom suprême de Jésus. Élève ta voix au nom puissant de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix au nom suprême de Jésus. Roba, chata, brindoro, sakarabo, rondoro, babo. Là où tu te trouves, élève ta voix, parle à Dieu, parle à ton Père, parle de tout ton cœur, élève ta voix, parle à ton Créateur au nom suprême de Jésus, élève ta voix, parle à Dieu, prends des résolutions dans ton âme, déclare au fond de ton cœur que ton âme est renouvelée, ton âme épouse les voies de Dieu, ton âme marche dans les chemins de Dieu, élève ta voix, parle, prie au nom suprême de Jésus, élève ta voix, que le Seigneur soit glorifié, élève ta voix au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit honoré. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen.